Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission Santé et bien-être qui aujourd'hui s'intéresse à la médecine physique et de réadaptation. Comment définir cette forme de médecine? Qui sont les spécialistes de cette discipline? Et à quel moment faut-il consulter les spécialistes de cette médecine? Voilà quelques questions auxquelles notre invité, Dr Koulibaly Abdourahman, essaiera de trouver, de donner des éléments de réponse. Docteur Koulibaly Abdourahman est diplômé en entrepreneuriat, en marketing et en management des administrations. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, docteur, nous parlons de médecine physique et de réadaptation. Comment peut-on définir ces notions? Merci. La médecine physique et de réadaptation est la spécialité qui a pour rôle de coordonner et d'assurer la mise en œuvre de toutes les mesures visant à prévenir ou à réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et des incapacités. En un mot, les conséquences sur les handicaps. Cette spécialité assure ses activités à travers des soins de rééducation et de réadaptation après que le patient ait été sujet à une maladie, à un accident ou une intervention chirurgicale. Et c'est une spécialité qui intervient dans un contexte de pluridisciplinarité avec un médecin et des paramédicaux. D'accord. Alors, vous venez de parler de médecins, de paramédicaux. Est-ce que nous pouvons déjà savoir les spécialités qui interviennent dans la médecine physique et de réadaptation? D'accord. Le médecin rééducateur est un peu le chef d'orchestre de cette spécialité. Et travaille en collaboration avec des paramédicaux. Le premier, c'est le kinésithérapeute qui, à travers des mouvements et des gestes de massage, essaye de répondre aux besoins de santé du patient. Le deuxième paramédical est un peu l'ergothérapeute qui a pour rôle d'assurer un peu le retour aux activités de la vie normale du patient, telles que s'habiller, se vêtir, prendre un repas et tout ça, il est tenu de s'assurer que ces éléments-là, la situation de handicap, puisse les mettre de côté pour que le patient puisse retrouver une situation de vie normale. L'autre paramédical qu'on pourrait citer, il y a le podo-orthésiste qui, en cas de problème du pied, est tenu de s'assurer que le patient puisse avoir un bon chauchage pour pouvoir se déplacer et avoir des activités de la vie courante normale. Un des éléments, c'est l'orthoprothésiste qui, en cas d'amputation et d'insuffisance d'une partie du corps, est chargé d'utiliser des orthèses ou des prothèses pour pallier à la déficience ou à l'incapacité ou aux difficultés que le patient peut rencontrer après avoir été malade ou après avoir subi un certain nombre de pathologies. Il faut dire que la liste n'est pas vraiment exhaustive. D'autres types de spécialités peuvent au besoin être recommandées par le médecin rééducateur dans le cadre de la prise en charge du patient indiqué. Alors, est-ce que toutes ces spécialités sont suffisamment représentées ici en Côte d'Ivoire et est-ce que les spécialistes en médecine physique et de réadaptation se retrouvent dans pratiquement tous les grands hôpitaux sur notre territoire, bien sûr? Malheureusement, c'est une spécialité qui est mal connue à travers le monde et principalement dans notre pays où les spécialistes se retrouvent uniquement au niveau des CHU de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les 4 CHU d'Abidjan et le CHU de Boaké. Et c'est dans ces CHU que nous avons des spécialités de médecins physiques et de réadaptation. Docteur Koulibaly Abdourahman, à quel moment faut-il consulter les spécialistes de la médecine physique et de réadaptation? Il faut dire que le médecin en médecine physique et de réadaptation peut être consulté en cas de douleur, en cas d'incapacité ou de déficience. Le patient s'adresse au service de médecine physique et de réadaptation à travers la vitrine que offre la médecine, c'est-à-dire la consultation. Et la consultation permettra d'abord d'évaluer le patient, d'évaluer sa déficience, son incapacité, ses douleurs,
et ensuite de ça, faire un objectif de traitement et un protocole de traitement qui va inclure soit le kiné, soit le podo-orthosiste, soit l'orthoprothésiste en fonction des besoins du patient. Et le médecin rééducateur fait le suivi de la mise en œuvre de tout ce protocole de prise en charge du patient avec pour objectif le retour du patient à une certaine autonomie appréciable. Alors, nous allons parler du suivi du patient en médecine physique et de réadaptation. Comment, dans la façon pratique, hein, comment ça se passe? Le suivi du patient en médecine physique et réadaptation, comme on le dit, la prise en charge se fait à plusieurs niveaux. Nous avons d'abord un traitement médical, si possible, qui utilise en cas de douleur tout ce que nous avons comme traitement que nous connaissons, traitement antalgique et anti-inflammatoire. Et en deuxième aspect, nous avons le traitement non médicamenteux. Ce traitement non médicamenteux fait appel à des moyens qui viennent souvent comme accompagnement du traitement médical ou comme traitement principal aussi du traitement. Il s'agit par exemple de la physiothérapie qui utilise des moyens physiques tels que la chaleur, le froid, pour essayer de régler la problématique du patient qui a des difficultés. Et lorsque on a fini avec la physiothérapie, il y a la possibilité aussi d'utiliser la balnéothérapie. Malheureusement, on ne le fait pas en Côte d'Ivoire. On sait que l'eau a un effet d'abord antalgique et l'eau permet, lorsque un patient est dans de l'eau, avec la poussée d'Archimède qu'on connaît, ça lui permet de lui donner une certaine possibilité de faire un certain nombre de mouvements. Donc la médecine physique essaie d'utiliser ces aspects-là pour permettre de traiter le patient convenablement. Dans l'eau, par exemple, quelqu'un qui a, je prends le cas d'un AVC, qui a des difficultés pour mouvoir le bras, dans l'eau, il pourra avoir plus de possibilités pour déplacer et la jambe et le bras plus facilement et le mettant ainsi en situation d'exercice et de retour à la fonctionnalité du membre ainsi. Il y a bien d'autres aspects. Nous avons aussi l'électrothérapie qu'on utilise, c'est le courant galvanique qui est utilisé dans le cas de réduire la douleur, la stimulation des muscles, la stimulation des nerfs et pour permettre à la personne en situation de déficit d'incapacité de retrouver la santé. Et tout cela, comme je l'ai dit, va dans le sens de réautonomisation. Nous avons une situation de... Lorsque nous sommes par exemple devant une personne amputée, où nous avons traité le cas de l'amputation, la douleur, avec tout ce qu'il y a comme élément, le premier objectif, c'est le mettre en situation d'autonomie. En situation d'autonomie, c'est là où voudrait dire qu'il faut lui réapporter cette partie du corps qui n'existe plus. Et cette partie du corps qui n'existe plus, on lui fait une prothèse et la prothèse va lui permettre de marcher convenablement. Alors, si on vous demandait de faire une appréciation des soins dispensés au cours de la médecine physique et de réadaptation, comment est-ce que vous pouvez évaluer les résultats obtenus? La médecine physique et réadaptation est en général une médecine un peu au long cours. Les soins sont faits sur une longue période. Et il appartient aux patients qui s'adressent à ces spécialistes-là d'être patients, comme on le dit, parce que ce n'est pas en deux ou trois séances comme un traitement de paludisme qu'on peut guérir. Il faut aller sur une longue période, faire énormément de séances, être assidu à ces séances, écouter les conseils des praticiens et vraiment faire en sorte qu'on soit toujours présent aux séances et exécuter ce que le patient, le médecin va vous dire. Au-delà des séances, le patient est amené à continuer cet geste à domicile qu'on appelle l'auto-rééducation, qui lui permettra d'accélérer sa guérison et de favoriser favoriser son insertion le plus rapidement possible. Docteur Koulibaly Abdourahman, dans votre discipline, la médecine physique et réadaptation, dites-nous, est-ce que vous recevez beaucoup plus les enfants ou les personnes adultes? À ce niveau, nous recevons pratiquement tout le monde. Nous recevons pratiquement tout le monde, que ce soit des enfants, que ce soit des... Quand même à des proportions égales? Non, pas à des proportions égales, mais les adultes sont beaucoup plus fréquemment rencontrés que les enfants. Puisque quand on connaît les causes un peu liées à la médecine physique et réadaptation, c'est-à-dire des déficiences et des incapacités,
les adultes, de par leur métier, de par leur activité, semblent un peu plus exposés que les enfants. Les enfants, en général, c'est le plus souvent soit des malformations, soit des pathologies acquises au cours de la naissance qu'on voit. Et avec l'évolution de la médecine, certaines pathologies deviennent un peu plus rares, mais les adultes sont beaucoup plus présents que les enfants, de manière générale. Merci à vous, Dr Koulibaly Abdourahman, pour avoir répondu à toutes nos questions. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, Santé et Bien-être s'intéressait à la médecine physique et de réadaptation. Donnons-nous donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé et Bien-être. Et surtout, prenez soin de vous et retenez que votre santé contribue à notre bien-être. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.